Coucou tout le monde, on se retrouve ici, donc on est tout de suite à Jichy, je suis rentrée directement pour voir les nouveautés, les arrivages et les promotions. Et cette petite coiffeuse toute mignonne, 69 euros, elle n'est pas très large, elle a un peu de profondeur, donc ce qui est bien, puis elle a ce petit miroir et ce petit tiroir assez sympa, 69 euros. Alors je vous montre ces lanternes en chrome que je trouve super jolies. 49,90. Elles sont assez grandes, hein. Je sais pas, elles doivent faire peut-être 89 cm de hauteur, je pense. Je vais regarder. Non, il n'y a pas écrit la taille. Non, c'est pas écrit, c'est inox et du verre. Alors là, c'est un tapis que je trouve assez sympa, que j'aime beaucoup ce style-là. C'est des joncs de mer et il est à 12 euros. Je vous remontre ces bouteilles parce que je les trouve sublimes, surtout la transparente. Et il y a des LED, il y a une guirlande LED, donc on peut même en rajouter d'autres pour faire vraiment un truc assez sympa. Et voilà, elles sont à 3,80 €. Je vous les montre parce que je trouve que le prix il est vraiment correct. On a ces lampes assez sympas avec le pied en forme soit feuille, soit flamant rose à 7 euros. Ça, c'est un tapis à impression 40 ciment. Donc, il y a le moyen qui fait 70 sur 50. Il est à 7,90 €. Il y a le grand. Le grand, il est pas mal aussi. J'aime beaucoup à 10,90 €. Et le grand, il fait 1 mètre sur 50. Et puis, il y a ce modèle-là. Je sais pas si vous le voyez. Plus foncé. Je préfère plutôt celui-là. Celui-là, il est joli. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai... J'ai pour habitude d'avoir au niveau de l'évier ou des tapis qui absorbent l'eau en fait. Et ce genre de tapis, c'est super joli, mais j'en ai pas du tout chez moi, j'en mets pas parce que pour moi un tapis doit absorber, enfin un tapis dans la cuisine doit absorber l'eau. Après c'est beaucoup décoration, j'aime au niveau déco, ça pourrait être pas mal. Alors, je suis en train de regarder ces verres que je trouve super jolis. 2,70 €, les trois verres pour 2,70 €. Et le pied, il est super joli, regardez. Je les avais vus, hein, et au final, je trouve que c'est pas cher. Bon, de toute façon, je suis pas dans l'urgence, mais voilà. Là, on retrouve cette petite déco que je vous avais déjà montrée. Donc, 3,45 € ce cactus. Le cerf à 7 euros. Et le cactus de cette forme-là à 6 euros. On a également ce porte-clé, porte-bijoux. Enfin, ce que on souhaite. Un vide-poche. Enfin, ce qu'on veut. 4 euros. Tout doré. Et mon petit coup de cœur, c'est ce cadre blanc. Avec miroir. Et puis, une fleur... Une feuille, pardon. Celui-là, je trouve vraiment joli. 4 euros. Et là, pour moi, je crois que c'est une bonne affaire. C'est une ménagère de 24 pièces. Donc, 24 pièces. D'habitude, on a l'habitude de voir 6 pièces. 6 pièces. 16 pièces. Là, c'est 24. Et elle est à 8,80 €. Ça, pour le coup, ça vaut le coup. On a ce fauteuil, un fauteuil un peu décontracté, donc à 29,65 €. Là, on le voit mieux. Voilà, là, on le voit mieux la forme. Je vous montre cette petite nouveauté. C'est un petit tabouret, une petite chaise, chaise d'appoint. Ça peut être sympa, hein. C'est de taille normale, hein, je pense, à 79,90 €. Et c'est en métal noir. Alors là, il y a une nouveauté, genre de nouveauté que j'aime beaucoup. Je mets mes doigts pour que vous vous rendiez compte de la matière en fait. Et c'est des tapis fourrure, ils font 1 mètre. Dommage qu'il n'y en ait pas un
de verre. Ils font 1 mètre sur 1,50 m. Donc il est assez grand. 1 mètre sur 1,50 m. Donc même pour faire des descentes de lit ou dans la chambre des enfants ou même dans le salon, pourquoi pas, à 59 euros. Là, je vous montre une guirlande lumineuse et en fait, c'est des petits pompons. Donc c'est assez sympa, je trouve que c'est pas mal. Et pour ceux qui ont des petites guirlandes lumineuses à la maison et que voilà, ils veulent accessoiriser, pourquoi pas mettre des petits pompons comme ça? Ça se fait assez facilement, j'aime bien faire ça. Là, pour le thème de Noël, il y a des choses assez sympas comme cette boule. J'adore moi tout ce qui est boule. Boule paillette avec un cerf à 6,90 €. Alors là, on a la même chose, mais avec un oiseau à 6,90 € aussi. Ah, là, on a un loup blanc. Et là, un ours blanc. On a cette pomme que je trouve pas mal. Et pour ceux qui veulent l'aiguiller encore plus, pourquoi pas mettre, je fais attention en la posant, parce que c'est assez fragile, c'est du verre très fin. Pourquoi pas mettre une guirlande en fait lumineuse. Donc il y a deux couleurs, il y a une espèce de gris-vert et un jaune-orange. Ils sont à 12,90 €, elles sont quand même assez grosses, hein. Ça, quand je les vois, je les trouve super jolies. Ils sont par trois et c'est des portes, des chandeliers, on peut dire chandeliers, photophores pour des bougies. Donc il y a cette forme-là. Il y a également celle-là à 16,90 €. Celle-là, elle est très jolie. Et celle-là, 16, 13,50 €. Là, on est dans tout ce qui est cintre. Et on a des jolis cintres. Pour les cintres, on a du choix. Il y a ces jolis cintres vendus par 5 à 4,50 €. Ils sont en velours noir et il y a la même chose en velours gris. Sinon, il y a du blanc, donc du bois blanc. Alors là, il est pour le coup, c'est vrai qu'il est très lisse, hein, par rapport à celui de chez Action. Donc on voit au niveau de la qualité, c'est pas du tout la même chose. 4,90 € les trois. Donc il existe en gris et en blanc. Mais vraiment, hein, le blanc, on le sent. Que c'est lisse, on sent pas le bois. 4,90 €. Donc après c'est des cintres. Moi je prends tant que c'est joli, c'est propre. Après je peux pas mettre non plus des 1000 et des 100. Donc ça c'est pas mal, c'est des cintres pour accrocher des accessoires comme les hommes les cravates, les châles pour les femmes, les ceintures. Et pour ceux qui ont des cintres qui veulent pas les changer, mais par contre qui veulent éviter que les vêtements dérapent sur les côtés. Donc il y a ces petites bandes de silicone à coller dessus. Ils sont vendus par 20 à 3 €. Donc ici aussi ils ont un grand rayon, un grand espace, je dirais même pas un rayon, un espace pour ranger en fait de boîtes, de plastique, de paniers en tout genre. Je suis en train de regarder celui-là que je trouve joli. C'est une corbeille. Donc il doit y avoir plusieurs couleurs. Elle a 12 euros. Elle est assez grande, hein. Elle a 12,72 €. Et puis après, il y a ce genre de panier à 9 euros. Ils sont vendus par 3. Par 3. Il y a plusieurs couleurs à 9 euros. Après, il y a ces cagettes en métal. Donc il y a plusieurs tailles. La grande, elle fait 13,90 € et la petite 13,50 €. Et puis il y a ce genre d'étagère en PVC pour ceux qui veulent aménager leur buanderie ou un espace à 29 euros. Donc la grande et 15,90 €, la plus petite. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Regardez ces paniers-là, pardon, ils sont super sympas. Vous voyez? Ah, il y a un couvercle. En fait, ils ont des couvercles, en fait, ces paniers-là. Donc, il y a cette taille-là et cette taille-là aussi. Ils ont des... Je vais vous les mettre comme ça. Il y a aussi le couvercle. Vous voyez? Donc, le couvercle est en bambou. Donc, la grande taille, elle est à 6,90 € et la petite taille, elle est à 4,90 €. Après, il y a ces grosses boîtes. Elles sont grandes. Hein. Alors, je vais regarder si elles, nombre de... elles font 55 sur 38. Et fait carreau de ciment à 14,90 €.
Il y a celle-là, mais il y a aussi d'autres boîtes un peu ce style, un peu plus petite. Alors celle-là, elle est plus petite, elle est à 6 euros. Après, il y a celle-là qui est aussi grande, elle fait 55 sur 38 à 13,90 euros. Puis après, il y a ces boîtes-là pour tout ce qui est... Moi, c'est ça qu'il me faudrait. Boîte fée. Alors ça allait à combien? Celle-là, 12 euros. Après, il y a ces boîtes-là, vous voyez, pour aménager les rangements dans les tiroirs, 1,50 €. Même pour une coiffeuse, pour la cuisine, je parle vraiment pour tout. Salle de bain, coiffeuse, je mettrai les crayons, par exemple les pinceaux, etc. qu'on ne veut pas utiliser, qu'on met dans des tiroirs. Dans la cuisine, pareil, on mettrait les petits ustensiles comme ça. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes. Il y a des petites formes comme ça. Vous voyez, il y a toujours des petites bricoles à poser. À ranger 80 centimes, il y a un peu plus petit. Je vais prendre tout le paquet. Il y a un peu plus petit à 95 centimes. Et puis il y a toute la collection. Hein. Après, il y a plus grand. Regardez, bon, ça fait toute la profondeur du tiroir. Puis encore plus grand. Là, il y a plus large. Là, il y a carré. Vraiment à aménager en fait en fonction du tiroir qu'on a. Donc les prix vont au plus bas de 80 centimes à 2 euros. Alors 2 euros, c'est celui-là. Regardez, il a une grande profondeur. Donc à vous, après, d'aménager vos tiroirs, de choisir en fonction de la taille des tiroirs, pourquoi pas dessiner. Comme ça, on ne laisse aucun espace vide. Et ça peut être sympa. Alors là, on a. Alors, je vous montre à l'envers, mais quoi qu'il peut se poser aussi comme ça. C'est un meuble de rangement 6 cases en métal. Voilà, la hauteur maximum, elle est de 1,10 m et en largeur 75 cm. Il peut après se présenter aussi comme ça. On peut en faire vraiment ce qu'on veut. Donc, celui-là, il a 9 cases, il est à 29,90 €. Celui-là, par exemple, on peut mettre cette partie-là là et en faire un bloc comme ça, 24,90 €. Là, c'est bien pour les sous-pentes, sous les escaliers, etc. C'est la 29,90 €, il y a 9 cases. Donc voilà, mon tour est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.